Salut les bâtisseurs! Donc la charpente est terminée, enfin. Ça m'a pris environ un mois. Bon, je faisais pas ça forcément tout le temps. Il y a d'autres choses à faire aussi. Alors, là je viens de finir les cache-moineaux. Pour pas que les moineaux rentrent, justement. Les chevrons sont coupés à la fosse équerre. J'espère avoir pas à refaire la charpente de l'autre côté, parce qu'il me semble que c'est pas mal. Ah oui, je range en même temps pour que ce soit propre, organisé, entretenu, qu'on gagne du territoire. Maintenant que tout ça s'est fait, il va falloir que je fasse la rase des murs. Remplir tout ça de matière. Là, j'ai environ 350 kg de chaux, 750 kg de sable. J'ai pu mettre 500 kg de sable en remorque. Il a une petite teinte un peu rosée. C'est sympa. Ça change du sable tout jaune des magasins de bricolo. Donc ça va prendre un sacré bout de temps à faire. Et ensuite il faudra que je pose l'écran sous toiture. Un genre de bâche qui va venir vraiment partout. Pour éviter qu'il pleuve et puis bah aussi ça isole. Alors le ciment c'est vraiment très très dur. Et ce qui se passe c'est que ça finit par fragiliser la pierre et la grignoter. Et même si le bâtiment veut bouger, c'est pas le ciment qui l'en empêche de faire des fissures. Alors je pense notamment ici quand je vais devoir enlever la couverture. Ils m'ont collé les ardoises par du ciment. Donc ça va être super. Par exemple, pour la fermette qui a poussé un peu le mur, ça a fait une grande fissure. Ça sert à rien de l'avoir rembourré avec du ciment parce que ça a quand même continué les fissures. La chose est vraiment beaucoup plus tendre que le ciment. Et aussi, ça permet au mur de respirer. Parce que le ciment étant un peu étanche, pas totalement, mais quand même pas mal, ça peut créer des problèmes d'humidité. Bon là on va pas trop s'en rendre compte parce que j'ai enlevé l'enduit d'intérieur depuis pas mal de temps. Mais en bas des murs, souvent quand c'est l'hiver ou quand il pleut beaucoup, ça commence à humidifier. Et c'était largement pire avant. Il y a aussi qu'à l'extérieur, tout est rejointé au ciment. Donc ça, ça fait du boulot pour tout dégommer. Vu que c'est étanche, il y a de l'humidité qui se forme le long des murs. Et ça remonte généralement sur un mètre avant de pouvoir ressortir. Ce qui fait que c'est tout humide en bas des murs. Un autre argument, ça peut être que esthétiquement, le ciment, c'est pas forcément très beau. Bon bah ça, ça dépend des goûts. Si on ajoute un tout petit peu de ciment avec son mortier de chaux, ce qui nous fait un bâtard, là, c'est pas trop grave là au-dessus des murs.
J'en suis à ma deuxième auge. C'est quand même assez long, mais c'est faisable. Il a plu un peu, donc c'est pas trop grave. C'est déjà en train de sécher. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça a aussi mouillé le haut de la maçonnerie. Donc ça, ce sera pratique. Alors le dosage, c'est un quart de chaud pour trois quarts de matière. Donc un seau de l'ancien mortier. Un seau de sable. Bon, pour l'instant j'utilise le sable bricolo. J'utiliserai celui qui est rosé plus tard. Et un quart de chaud NHL 3.5. J'essaie de pas en foutre trop partout quand même. Alors pour mon mélange ici, il me faut bien 5 litres d'eau au minimum. Ça dépend de l'humidité du sable. Et j'utilise le malaxeur sur une perceuse perforatrice. En allant assez doucement quand même pour pas en mettre partout toujours. Bon là il y a peut-être beaucoup d'eau, mais ça le fera aussi. Ce sera sans doute beaucoup plus facile de faire ça à la bétonnière. Mais j'en ai pas. Ce sera pour un futur investissement peut-être. Il va falloir que je réhumidifie un peu le haut des murs, même si déjà c'est pas trop mal là. J'ai laissé tremper quelques cailloux dans l'eau, que je vais me monter sur le mur. Bon, les petits, ça sert à rien. C'est plus au moins des comme ça. Et quelques gros cailloux aussi pour certains endroits. Voilà, je me monte le seau là-haut. Je me fais un petit saut de chaud. Il faut mettre les gants quand même parce que la chaux c'est corrosif et si on s'en met trop, ça finit par faire des brûlures chimiques. Alors après, il faut se mettre du vinaigre pour annuler la brûlure. Un petit peu liquide mon mortier, mais bon, ça ira. J'ai oublié la truelle. Je remonte.
Alors je fais d'abord la partie extérieure, ensuite j'essayerai de faire la partie intérieure, enfin bon, ça sera plus facile. Et après enfin je remplirai bien plat au milieu. C'est rodé maintenant. Je laisse mouiller dans 5 litres d'eau le sable et l'ancien mortier avant d'y mettre la chaux. Comme ça, ça prend beaucoup plus facilement. Si j'ai besoin de chaux, je tire la corde ici. Si j'ai besoin du pulvérisateur qui marche une fois sur deux, je tire la corde. Ou si j'ai besoin de cailloux, c'est quand même satisfaisant. Par contre, j'ai pas trop le temps de tamiser du sable pour faire un 0,2 avec un petit LED chaud. Et l'autre côté qui attend avant la saison des pluies. Donc la petite teinture pastel, ce sera pour la prochaine fois que je refais la toiture. Ne mets pas les pattes dans la chaux. Non. Non. Thank you.
J'ai pas pu m'empêcher d'utiliser mon sable rosé. Donc je me suis fait un seau de sable et un seau de chaux. Du coup j'ai étalé ma crème là. C'est assez sympathique, mais du coup je pourrais pas voir le rendu final quand ça aura bien séché. Par contre de l'autre côté ça restera brut. Pour les matériaux, j'ai utilisé pile poil mes 8 derniers sacs de sable de magasin de bricolo. Ça fait pas vraiment 300 kg, mais avec le seau de sable rosé, ça fait 300 kg. J'ai aussi peut-être utilisé 80 kg de chaux et énormément d'anciens mortiers. Alors ça, j'ai pas pu le calculer, mais j'imagine que ça pèse bien 200 kg. Donc 500 kg de matière et 80 kg de chaux. Pour juste les deux aras entre chevrons. Donc ce sera la même chose de l'autre côté. Par contre ils ont mis du ciment, alors si je dois casser tout ça, on n'a pas fini. Ah oui, j'oublie aussi. Il y a des kilos et des kilos de caillasse. On va partir sur un écran sous toiture. Évidemment, j'ai choisi le jour où il faisait le plus de vent pour le poser. Donc je vais essayer de le poser le plus possible contre là. Et aussi faire les chevrons. Ça, faut que je le replace. Je pense aussi qu'il faut que je coupe d'abord ma longueur de 10 mètres parce que dérouler le rouleau en équilibre c'est pas le plus facile. Oh bonjour, on vient hiverner. C'est la tempête. Heureusement j'ai investi dans des serre-joints à une main. Ça, je peux bien tendre et utiliser la graffeuse. C'est quand même pas facile à mettre tout seul. Je vais m'efforcer de le mettre à peu près droit, mais s'il y a des petits écarts, tant pis. Hein. Et ben, c'était pas simple avec tout ce vent. J'ai beaucoup râlé. Maintenant, il faudra que je fasse le contrelattage et essayer de protéger le haut de la faîtière de la pluie. Sinon, le reste est étanche. Thank you.
Là, j'ai mis des contrelettes provisoires avec des serre-joints pour esquiver le vent. De toute manière, il va falloir que je croise les coupes un peu mieux que ça. Justement, le vent, il m'a soulevé le haut là-bas. Et puis moi, j'ai fait un petit trou. Je sais pas si on va le voir. J'ai tapé la graffeuse à côté du chevron, ça a fait un trou dedans. Donc je pense que je vais enlever tout le dernier étage. De toute manière, il faut que je refasse la pointe au faîtage. Je me suis aussi installé un liteau provisoire là pour que je passe la corde par-dessus. Maintenant, il va y avoir plusieurs jours de pluie et de vent. Donc c'est la fin de la vidéo. Prochaine fois, je vais faire le litelage. Et peut-être la couverture, je verrai. Et là, ça a été une expérience assez rock'n'roll, surtout avec le vent.